Et salut tout le monde, ici Nostager. On se retrouve pour un épisode sur Xenoblade X. Encore un épisode, encore un let's play. Et on va continuer ce qu'on a commencé la dernière fois. Continuer comment. On va continuer une expérience en solo immersive. En fait, je sais pas. C'est vrai que j'ai pas décidé. Je pense que les squads d'invasion, je ferai dans un autre épisode plus détente ou même en live, je verrai. On va continuer pour le moment cette escouade là. Alors, sachant que. Bon, j'ai toujours pas trouvé le butin des divisions en attente. Je sais toujours pas où il est. Formation sociale, c'est cool. Donc pour cet épisode, on va pas monter, on va pas terminer, faire un nouveau chapitre ou autre, on va faire plus des petites missions. Récompense recrutement en attente de la file à la console des recrutements. Donc la console des recrutements, je crois que c'est celle-là. Ah, j'ai toujours du mal. Réclamer les récompenses de recrutement. Ah, c'est déjà pas mal. Niveau 21, rang 10. D'accord. Hop là. Déjà, ça c'est une bonne chose. Et j'avais une récompense de Pathfinder aussi à réclamer. Ah voilà, forcément on a des petites missions en plus. On a des petites primes à faire, comme il est écrit, petite prime. Donc je pense qu'on va commencer par des niveaux 1. Voilà, de la collecte. Bah vous savez quoi? On va accepter toutes les petites missions de niveau 1, on va les faire. Peut-être pas toutes d'ailleurs. C'est le niveau 1. Voilà, bon bah on a accepté toutes les petites missions de niveau 1, on va partir tout de suite. On va les faire une par une. Et on va peut-être un peu changer notre équipement juste avant de partir. Parce que j'ai pas franchement regardé ce qu'on avait. Ce qu'on avait réellement. Arme, peut-être ici. Non, ça c'est pour serrer. Voilà, équipement de terrain. Et j'étais pas sûr de pouvoir le trouver. Donc on est à deux armes. Et il va nous falloir trouver une arme. Niveau 10, 12, métro torche chargé. Je vais surtout m'occuper de la tête, j'avais des oreillettes de survie. Donc c'est celle-ci que j'ai. Et les prochaines, c'est niveau 15. Hein. J'ai rien de niveau 10. Donc bah comme ça, c'est plus rapide, on change strictement rien. J'ai encore un point d'interrogation, on va voir ce que c'est. Eleonora, je sais pas ce que c'est, on va aller lui parler à elle. Bonjour Nostager, tu es apparemment déjà bien parti pour te faire un nom. J'ai entendu des rumeurs autour du quartier général du Blade. Un jour, tu tues des Xenostines et l'autre, tu adoptes une espèce de friandise sur patte. C'est pas faux. Mais je ne t'ai pas arrêté pour papoter. Le commandant Vanham m'a chargé de te dire quelque chose si je te croisais. Tu as déjà entendu parler des niveaux Blade? Non. Oh, génial, je suis heureux de ne pas avoir préparé ce discours pour rien. On assigne le premier niveau Blade aux nouvelles recrues, donc bah moi. Ce ne sont que des débutants, après tout, plus ils font de missions, plus leur niveau augmente. Oui, bon d'accord. C'est une sorte de baromètre qui,
qui évalue ta contribution en tant que membre du Blade. Le niveau 10, c'est la meilleure. Elle est réservée aux piles électriques et aux maîtres de terrain, sont les agents qui figurent dans les annales. Puis viennent les points de division, ça te dit quelque chose? On va dire non aussi, comme ça on va voir l'explication. Non, d'accord, mais tu connais la différence des 1 et 8 divisions. Chacune a un rôle important, comme par exemple étendre les frontières naves, chasser les indigènes, et récupérer des objets, de la grande blanche, tout ça. C'est du blabla, on joue du pipo. Lorsqu'un agent a réalisé une tâche, on lui accorde un nombre de points en fonction de sa performance. Ce sont des points de division dont je t'ai parlé. Très bien. Tu le sais sûrement, mais pour augmenter ton niveau Blade, tu dois amasser des points de division. La bonne nouvelle est que, peu importe la nature de la mission, tu obtiendras des points. C'est simple, non? Déclarer pouvoir atteindre le niveau 10 en un rien de temps. Demandez le 1, quels sont les liens pour accéder. On va dire ça. On va fanfaronner un peu. Oh, mais qu'est-ce qu'on est sûr de soi? Le commandant Vadam a certainement raison de penser que ton assurance va te permettre de faire de grandes choses. Pourquoi ne viserais-tu pas un niveau 2 pour l'instant? Ça devrait te donner une idée de ce que tu vas faire. Reviens me voir quand tu l'auras atteint. J'aurai un bonus spécial pour toi. Très bien, accepter la mission, atteindre le niveau 2. Oui. Attends, ah si, je l'ai atteint le niveau 2. Oh, c'est une blague. Attends, tu as déjà passé au niveau super. Bon, bah j'ai atteint le niveau 2. J'étais sûr, tu n'es pas un amateur, c'est certain. Je vais quand même faire mon topo. Dès que tu montes d'un niveau, viens me voir. Et j'aurai un... Bon, on est passé niveau 2. Projecteur Halo, hein, un nouveau projecteur de hologramme est disponible dans la caserne du Blade. Super, tu as jeté un œil à ton bonus, je te donnerai toutes sortes de choses pour décorer et customiser la caserne. Après tout, c'est le seul endroit sur Mira que tu peux considérer comme ta maison. Et tu peux la rendre chaleureuse en refaisant la décoration à ton goût. Ne t'attendais pas à ça de la part de Vandamme, pas vrai? Il n'est pas du genre décorateur d'intérieur. Bon, très bien, la vérité c'est... Une pétition est apparue il y a un mois et une centaine d'agents l'a signée. Mais je m'éloigne du sujet, revenons-en à nos moutons. Il y a un bonus supplémentaire, un qui va certainement plus t'intéresser que la décoration. Sûrement, oui. Je vais augmenter ton niveau de compétence. Il y a trois domaines : mécanique, biologique, archéologie. Ce sont tous des mêmes. Pour l'instant, tu es prêt à aller de l'avant. J'ai de bonnes nouvelles. Tu peux également choisir d'augmenter l'une de tes compétences de terrain. Tu penses que c'est un peu bas de notre part de t'en faire choisir qu'une à la fois, mais crois-le ou non, c'est pour le bien de tous. Leur faire apprendre trop de compétences à la fois, tant brouiller et accabler plutôt qu'à les aider. Bla 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 bla. Si vous voulez lire franchement les amis, allez-y. C'est pourquoi les hauts niveaux techniques sont réservés aux gens qui ont fait leurs preuves, tels que les agents qui ont atteint le plus haut niveau de Blade. Bon, ça suffit, le temps de s'amuser. Complètement, quelles compétences terrain veux-tu augmenter aujourd'hui? Mécanique. Pourquoi? Aucune idée, hein, mais mécanique. C'est tout pour les bonus et pour les explications. Tu es devenu un agent à part entière aujourd'hui, maintenant. Sors d'ici, récolte des points de division. Je te reverrai quand tu auras atteint le niveau 3. C'est parfait. Je suis toujours amusé, alors bonne chance. Mission terminée. Bla 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 bla. Et en plus, les autres, elles ont des cœurs sur la tête. Bref, nous étions partis pour faire des missions. C'était quoi? On va voir où est-ce que c'est, ça va être aussi simple. C'est sur le côté. Alors, sur mon gamepad, j'ai des icônes qui sont apparues. Je ne sais point ce que c'est. Alors, je vous demande une petite minute. Alors, c'est pour me dire les missions terminées. D'accord. Pour me dire que dans la zone, il y avait une mission que je viens de terminer. Bon, très bien. Alors, tuer les blatards. Tuer 3 blatins en zeppelin en oubliant. Bon, très bien. On va
aller faire ce truc. Il y en a un qui est au chapitre 5, bah, c'est cool. Moi j'ai pas encore dépassé celui que je suis là. Alors, je vous demande une petite seconde, je regarde où est-ce que juste où est la mission. Ah c'est bien. Elle est par là-bas. Mais c'est quoi un blata? Parce que, je veux pas être désespérant mais juste regarder une chose. Je suis en direction du truc, ouais. Donc je devrais avoir au moins un point sur ma carte. Bon, j'ai pas de point sur la carte. Donc bah les amis, on va chercher ce qu'est un blata. Les autres de mes missions, c'était... Oui, c'est vrai que je peux me téléporter. De toute façon, j'y vais en mode... En mode explo, on défonce tout ce qui passe par là, tout ce qui nous passe devant. Non, c'était pas ça. J'espère qu'ils l'ont pas attaqué. Non. Voilà. Mais c'est une blague. Worst, c'est qui? Ah, je suis tombé, super. Bon, alors c'est par là. C'est cool, c'est par là. C'est tout ce que je sais. On va y aller, on va y aller, on va y aller. On va pas perdre trop de temps. Pour le moment, j'ai pas de quête des squads, donc on va pas pouvoir les faire. Dès que j'en trouve une, on la fera. Ce qui est bizarre, c'est qu'il me dit en Oblitia et on est sur Primordia, donc j'aimerais bien. Est-ce que c'est parce qu'il y a un autre. Une autre île, peut-être? D'où le fait qu'il ne découvre pas le... Ah, attendez, je vais voir si j'ai pas des missions. Voilà, Oblitia. Donc je pense que... Je pense que c'est particulier. Noctilum, 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 Primordia. Je suis sur Primordia, donc autant faire celle-là. Hein, elle est sur Primordia. Récupérer 5 pinces brisées sur les Forlex côtiers. Franchement, il y a des noms, sérieux. Non, c'est quoi les Forlex? Bon, il y a de l'eau, donc des côtiers, ça doit être dans le coin. Pas l'émission. Par contre, il y a un truc au milieu de l'eau. Parce que c'est. Ah, carrément. Mécanique 1, super. J'avais augmenté niveau 2, mais c'est pas grave. Objet obtenu, d'accord. Des crédits en plus, c'est parfait. Ouais, alors effectivement, euh...
Si on sait pas ce que c'est des Farlex côtiers, on est mal barré. Donc vu que je sais pas ce que c'est, je suis mal barré. Et toutes les missions que j'ai prises, en fait, elles sont même pas sur le truc, donc... Niveau mission, je suis un peu HS. Comme ça, 5 passes brisées. Sur les Farlex côtiers. Et je devrais déjà en avoir. Enfin, j'en ai déjà une. Mais j'en ai pas plus d'une quoi. Alors des côtiers, donc près de la côte, donc près de la mer, hein, forcément. Où est-ce que j'ai de l'eau? Ah, là j'ai de l'eau. Farlex marin. Ah bah voilà. Et bah, j'aurais du mal à les trouver hein. Vas-y, je vais jouer de tank. Regarde. Alors, j'en ai 2 sur 5, c'est parfait. Suivant. Voilà, bah je suis passé à 11, nickel. J'ai pas fait gaffe. J'ai récupéré sur... Ah c'est qu'il y a du monde autour ou ça se passe comment? Niveau 17 de l'autre côté, c'est pas très joyeux. Et j'ai une chose ici à récupérer, j'espère que ça va me faire du niveau 1. Biologie niveau 1. Bon, au moins on peut en faire une, hein. J'ai pas regardé, c'est vrai que j'ai pas regardé les autres. La deuxième pince brisée, enfin la troisième plutôt. Alors il m'attaque dès qu'il me voit, ça c'est pas cool. C'est qu'ils sont à peu près à... Ce qui me dérange un peu, c'est que j'ai pas tellement de niveau. L'autre là-bas, quand même, me dérangerait pas trop le niveau 11, mais les deux autres un peu plus. Juste bien, c'est pas cool, ça j'aurais pu quand même l'améliorer.
Il me vise pas, hein. C'est un peu le truc que j'ai trouvé débile sur le jeu en fait, c'est que même s'il te vise pas en fait, tu prends des dommages. Bon, c'est pas grave, en même temps c'est un peu le jeu, hein. On est plus réactif qu'un ordinateur. Allez, donne-moi le dernier, nickel. On a terminé la mission, on va aller rendre ça et on va essayer de trouver des missions pour Primordia et on a augmenté un peu le cœur là, enfin, je sais pas ce que c'est, l'amitié. Tout le côté relationnel. Alors, j'ai pas trop regardé où on était, mais on a l'air d'être. Ouais, je vais juste me taper quand même, même si on est à côté. Juste pour éviter le 80. Alors, juste pour information, je tente cet épisode 3 heures après l'ancien. Enfin, après, oui. Je ne sais plus lequel je suis, je dois être au 5, 6, 6, ça doit être le 7ème celui-là, donc après le 6ème. Donc je tourne le jeu juste après. Donc, si vous aviez fait des commentaires, je le verrai que pour le prochain épisode. Si vous avez des petites remarques à faire, faites-les. Vous inquiétez pas, je mange pas, je mords pas. Je vous annonce que pour le 10ème épisode, on aura sûrement un live. Un grand live pour le 10ème. Alors, un grand live. Qu'est-ce que j'appelle grand live? 4 heures de live sur ce jeu, voire plus. En soirée, bien sûr, un live qui commencerait vers 21h, se terminerait vers minuit, 1h du matin. Vous aurez le droit. Chasse aux monstres, mission. Pas de chapitres principaux, par contre. Au cas où qu'il y en ait qui soient déjà déçus. Je ferai pas les trucs principaux, donc du multijoueur, s'il y en a qui veulent rejoindre la partie, je serai là. Et on verra. Bon, alors ça c'est sur Nactilum, alors on va abandonner les missions sur Nactilum parce que ça me sert à rien, je peux pas y aller pour le moment, ou si j'y vais je sais pas comment, donc autant pas les faire. Battre les Bletta sur Oblivia, pareil. Alors l'autre, est-ce que la mission que j'avais juste avant, ah, c'est validé automatiquement. D'accord, les missions qu'on fait là-dedans se valident automatiquement. Alors, c'est une bonne chose. Nouveau rival, mission en attente. Destination Nactilum. Donc, comme j'ai dit, pour le Nactilum, on va attendre un peu. Je vais rester ici pour le moment. On aura fait qu'une mission. Donc bon. Avant. On va peut-être s'arrêter là d'ailleurs pour cet épisode. Je pensais faire long, mais on va faire court. On va faire très court pour celui-là parce que je vous fais déjà des épisodes de 40 minutes. Donc je pense que c'est déjà assez long comme ça. Donc oui, on va juste faire une petite modification d'équipement, voir ce qu'on a reçu. J'ai reçu un fusil d'assaut. Déstabilisateur et récup 1 et un emplacement vide. On va prendre celui-là comme arme. J'aurais pu faire ça plus tôt. Celle-là, la couleur est pas si mal que ça. Par contre, ce que j'ai reçu, voilà quoi. Sport moyen, moyen. Je porte l'équipement du Blade, mais c'est pas grave. Équipement moyen, le body de survie. L'équipement moyen, mais. D'accord.
Le seul qui est pas mal, c'est celui-là, vu qu'il est au-dessus du mien. Je ne perds rien, je gagne plus de PV. Par contre, je perds des attaques au corps à corps, donc bah, je me mettrai plus à distance, c'est pas très grave. Là, c'est hors de question que je mette ça. Je vais perdre 10 pour gagner 20, c'est pas la peine. Voilà, et je perds aussi en défense, donc non. De l'autre côté, je gagne. Là, je perds. Je perds et je perds. Donc, celui-là, il est pas mal. Je vais le garder. En plus, j'augmente mes PV. Afflux broyeur, je sais pas ce que c'est. Par contre, je perds un peu. Donc, je gagne en défense. Je gagne en PV. Et c'est tout. Et j'ai afflux broyeur 2, je sais pas ce que c'est, par contre je perds en précision, mais c'est pas grave. Comme j'ai dit, je vais me mettre plus à distance, ça permettra sûrement de d'équivaloir. C'est que j'ai mis... Ah d'accord, ça c'est que des godasses de survie, ok, très bien. Bon alors, Lynn. Ouais, techniquement j'ai rien pour elle, je crois. Peut-être ça et encore, si j'ai ça. Avec étance. Ouais, mais non, je l'ai mis en équipement légère, donc je vais laisser en équipement légère. Et par contre, Elma, j'ai pas mal de trucs pour elle. Même ce casque, en fait, il est même pas pour elle. Niveau insuffisant. Ah, il faut le niveau 12, oui, bah d'accord. Comme ça, c'était fait. Anti-étourdissement, j'avais potentiel. Alors, est-ce que je peux retrouver potentiel? Oui. J'en ai avec potentiel et étourdissement, leur 1. Très bien. Bah on va mettre celui-là. Et comme l'autre. Alors, entorse, torse survie modifié. Donc nous avons augmentation. Alors je vais essayer de retrouver avec attaque à distance. Ça pourrait être sympa. Sauf que j'en ai pas. Donc en 9, on va lui en trouver un. C'est bien. Anti-choc, anti-handicap, laser 2. Celui-là augmente ses points de vie vu qu'elle est quasiment au corps à corps H24, ça va être pratique. Là j'avais précisé l'attaque à distance, non précision à distance j'avais augmenté. Je vais garder attaque à distance avec afflux aura 2. Là c'était pareil. Alors là, je vais garder, je vais mettre PV max, c'est le mieux que j'ai. Et là, dans les chaussures, attention, roulement de tambour, plus de. D'accord, plus de. Ok. Et ça, ouais, en fait, j'ai qu'un antique. Voilà, bon, bah voilà, on a fait ça. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? On peut voir les arts, que je modifie quasiment jamais. Je le fais une fois de temps en temps, c'est pratique. Course d'ombre. Alors, booste le potentiel, booste les dommages en cas d'attaque par derrière. Désactive la délection. Je pense que c'est détection, mais bon. Je m'amuse assez bien à utiliser les deux, donc on va faire ça. C'était X pour renforcer, voilà. Ce que je vais faire par contre, c'est modifier ceci. Parce que ça, c'est mes attaques à distance. Ça au corps à corps. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre celui-là. Non. Palette d'art, je vais prendre celui-là. Voilà, ça j'ai tout d'un côté, tout de l'autre, c'est parfait. Lynn elle a tout, vu que je la maîtrise pas, enfin je la contrôle pas. Je vais augmenter sa dernière compétence. Et elle m'en va faire pareil, voilà, la dernière compétence forcément. Donc il en a autre chose.
Dans les compétences. J'ai 4 points de compétences. Oh, c'est Daniel lors d'un combo à distance. On va attendre. Et dans les classes, ça, je suis quand même 7ème. Enfin, 7ème, rang 7. C'est déjà pas mal. On verra après pour faire les deux autres. De toute façon, je les ferai tous, hein, vous inquiétez pas. Je les ferai tous. Ouais, voilà, ça va être très bien. Donc, les amis, on va se laisser là. Ça fait déjà une petite demi-heure. Je vous dis ciao ciao, à plus. On va donc se quitter là. On se retrouve une prochaine fois pour un nouvel épisode. Allez, ciao ciao, à plus.